Ça fait longtemps que vous datez de ouf. Ça fait grave longtemps que j'ai pas filmé parce que j'ai commencé à travailler et voilà, ça me prend du temps. Mais là, j'ai envie de filmer mon mois de février parce que je sais que je vais faire plein de trucs. En plus, c'est le mois de mon anniversaire. Donc voilà, ça va être des petits bouts par-ci par-là. Parce qu'en plus, j'ai de la visite de France dans 2 semaines. Donc ça va être trop trop cool. It's lit. Just take a look at the drip. You boys don't get fly than this. Roll a dope, yeah, I'm high as a bitch. Wait, it's lit. Get that little bitch a little tip. Now she wanna suck on the dick. She wanna catch all of the drip. Drip, drip. J'ai vécu ma première tempête de neige. On est le 9 février, c'est mon anniversaire. Il faut toutes que tu les écrases là. Tu vas gagner. Et tu vas gagner. Tu diras à tes coéquipiers en anglais. No one. Je gagne dans le top. C'est un nouveau jour dans la vidéo du mois de février. Et je vais rejoindre la famille. J'ai mon cousin qui est venu me voir là, et il passe une semaine, donc on va grave kiffer. J'ai pris 2 jours de congé en fin de semaine, donc on va partir. Je sais pas où on va partir encore, mais on a prévu de louer une voiture pour l'instant, et après on va voir. Mais je vous emmène avec moi. I love you, Bendy. Lucas. Lundi 17 février au calendrier. Lundi 17 février, je sors du taf là, il fait ultra beau, enfin il fait ultra beau, il fait très froid, mais petit coucher de soleil là, en face de moi. Mon cousin est arrivé ce week-end. Là je vais le rejoindre au Mont-Royal et je l'emmène manger une poutine. Et voilà. What are we talking about? We were talking about us. C'est ma cible, la seule cible que j'ai mise. Ah,
Lucas. 25. J'ai littéralement arrêté de compter les jours. Vous avez vu la partie Québec? On est parti à Québec dans la semaine, juste pour une journée et quelques heures, pour voir les chutes au Montmorency, puis faire un petit tour dans la ville. Franchement, il faisait hyper froid, mais c'est toujours un plaisir de partir à Québec. Donc, et sinon, dans le soir, on est rentré sur Montréal, et le lendemain, on est parti direction Ottawa, c'est la capitale du Canada. Donc pareil, là c'était une découverte, première fois que j'allais à Ottawa. C'est tout, enfin c'est pas que c'est tout petit, mais enfin Montréal c'est trois fois plus grand. Et on va dire que Ottawa c'est la ville des affaires, enfin c'est considéré comme la ville des affaires, ville familiale. T'as pas tous les grands buildings. C'est plus, enfin en fait c'est trop bizarre parce que t'as un mélange entre le moderne et l'ancien. Ce qui fait un mélange très bizarre dans la ville, mais c'était super cool. Et je vous mets des images juste ici. Donc clairement, je pense pas refilmer ma tête d'ici là, donc... Salut.